nous allons jeter un petit coup d'œil à notre pochette d'acteurs en herbe. Vous savez que tout Hollywood nous appelle pour dire est-ce qu'il y a des gens. Ils sont fantastiques. Ah oui. Vous avez oui, une équipe d'animateurs incroyable. C'est affreux parce qu'ils croient ce que je dis, mais réellement, c'est un truc de dingue. Hein, c'est un truc de dingue. Bien, ils vont découvrir dans un instant la scène qu'ils vont jouer. Et vu la scène, j'ai analysé les choses et je me suis dit qu'il fallait que j'appelle deux acteurs hors pair, c'est-à-dire David Jean Motte, notre relooker préféré, et Gérald Watley, présentateur de Cellule Belge. Yes. Alors, Kev. Alors, pour ce troisième et dernier extrait, j'ai choisi quelque chose de... J'avais envie d'un film qui sente un peu la Belgique, quoi, tu vois. Ouais. Une spéciale dédicace aux Belges. Donc voici le troisième extrait que j'ai choisi. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zag, 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 zag. Zag, 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 zag. Zag, 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 zag. Zag, 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 zag. C'est bon. Voilà, alors j'appelle David Jean Motte, Gérald Watley. Allez-y, venez nous rejoindre. Kev, on rappelle quand même le défi. Hein. Alors le défi, c'est très simple, il faut réussir à rejouer cette scène le plus proche possible. Ça va être fantastique. Ça va être fantastique. Il est content. Je suis très content de vous voir aussi. Moi aussi. Ça fait très plaisir. J'aime beaucoup cette personne, on dirait mon prof de musique en 6ème B, ça fait très plaisir. Eh ben, est-ce que vous êtes prêts à relever ce défi, messieurs? Évidemment! Est-ce que vous êtes prêts à tout donner pour Cap 48? Bien sûr! C'est parti! Eh ben, formidable, alors je vais vous inviter à venir proche du Green Key. Green Key? Comme dit James Blunt. Ouais, exact. Voilà. Oh. Et là, on compte sur vous, il va falloir donner le maximum pour être les meilleurs et pour rafler 2500 euros en plus. Tous ensemble, là, les amis, hein, vous on êtes y prêts va oui, on compte sur vous, on hein y va, on compte sur vous, hein. Parti. C'est parti. Les sifflets là-haut sur la colline, que l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. Voilà, magnifique, on peut les applaudir. Merveilleux, vous avez été merveilleux. Bravo. Merci. Oh. Merci à vous. Merci Cap 48. Stone & Chardin Revival. J'appelle tous nos animateurs à venir nous rejoindre. On va les accueillir tous ensemble. Ben oui. Bravo, bravo et bravo au public du Studio 40. Alors, voilà que tous les animateurs viennent nous rejoindre. Et oui, effectivement, il n'y a plus qu'à... Voilà, on se couche devant une prestation comme celle-là. Hein. Ah bah c'est extraordinaire. Ah, il y aura une tournée mondiale, je suis sûr, très bientôt. Je crois que là, on est sur une équipe d'animateurs qui est prête pour les Oscars, tout simplement. Voilà, il n'y a rien d'autre. Donc bravo à tous, c'est trois défis réussis, c'est-à-dire trois fois 2500 euros. Ouais. Et en plus, bah, on ajoute 2500 euros parce que le public est exceptionnel. Du coup, ça nous fait 10 000 euros. 10 000 euros qu'on ajoute tout de suite au compteur. Voilà, merci. Merci à Kev Adams et merci aux animateurs. Le fort. Ah oui, non. Le fort. Je l'adore. Je l'adopte, Vincent Gétorix. Il est extraordinaire.